Bonjour ou bonsoir à tous. Je suis bien heureux de vous avoir. J'ai vu qu'il y a un certain nombre de participants, c'est parfait. Et je vais parler d'un projet d'études paléontologiques, d'aménagement pédagogique, in situ, ça c'est le mot-clé, dans une carrière des deux sexes. Alors cette carrière s'appelle la carrière de la grande palisse. Alors pourquoi ce projet? C'est lié à un concours de circonstances assez étonnant. Il y a 10 ans déjà, et oui, en mai 2013, curieusement, j'ai été invité par le patron de la carrière à examiner le gisement de cette carrière. On m'a invité pendant 3 jours, gîte et couvert compris. Il était là, son épouse, et trois amateurs qui venaient régulièrement ramasser des fossiles. Pourquoi m'avait-on contacté? Parce que j'ai l'habitude d'écrire des bouquins de paléontologie. C'est uniquement pour ça. Et je suis allé pendant 3 jours et je devais répondre à une question. Y a-t-il un intérêt ou non à entreprendre une étude paléontologique dans cette carrière? Pourquoi cette question? Parce que les amateurs trouvaient beaucoup de fossiles. Et ils avaient envie d'en savoir un peu plus. Eh bien, la voilà, cette carrière de la Grande Palisse, société Labat et Fils, on verra un peu plus. Et ce que l'on voit, dans le fond, il y a deux paliers. Ces deux paliers correspondent au bajocien. Il est entier, depuis sa base jusqu'à son sommet. La voilà un peu clairement montrée ici. Le bajocien inférieur. Et en haut, le bajocien supérieur, il y a à peu près 14 à 15 mètres d'épaisseur. Ce bajocien a été séparé en deux parties, comme vous le voyez, et juste à la frontière entre l'inférieur et le supérieur, pas pour des raisons paléontologiques, mais simplement parce qu'il y avait un niveau extrêmement dur qui facilitait le passage des gens jeunes. Cette société là-bas a été fondée en 1925. Elle exploite, donc, comme je l'ai dit à Nanteuil, un gisement de matériaux calcaires d'à peu près 8 hectares. Et elle a repris l'exploitation d'anciens fours à chaux qui avaient été construits entre 1874 et 1876. Ça, c'est intéressant, la date, vous allez voir pourquoi. Retenez bien ces dates-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on extrait les matériaux, le bajocien, on en fait des granulats. On les fait cuire dans un four pour en faire de la chaux vive, de la chaux éteinte, et puis un certain nombre d'amendements. On voit ici les installations. Donc c'est un seul four à chaux. On voit le tapis roulant qui fait monter jusqu'en haut du four les granulats de bajocien. Et puis on voit les granulats qui tombent dans le four. On voit aussi en bas à droite couleur rougeoyante, eh bien, c'est le calcaire qui est en train de cuire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne. Il y a tout d'abord des granulats de calcaire qui arrivent. On remplit une couche, à peu près 30 cm, et puis ensuite une couche de charbon, puis une couche de granit, de calcaire, puis une couche de charbon, et ainsi de suite, et jusqu'à remplir le four. Et à la fin de la cuisson, ça se fait 2 fois par jour. Donc on n'éteint jamais le four pendant l'année, samedi et dimanche compris, sauf entre Noël et le premier de l'an pour la maintenance. Et on voit en bas cette poudre qui n'est autre que de la chaux. Ici, on a la famille là-bas. Il y a 5 générations. François, qui est le fondateur en haut, Georges, Rémi, Michel. Jérôme. Jérôme, c'est celui qui est en bas, au milieu, entre papa et maman, et c'est lui maintenant le patron de la carrière. Voilà, donc c'est un savoir-faire ancestral, donc ce n'est pas très mécanisé, bien sûr. Alors ensuite, et on va voir une petite histoire, on va aller assez vite là-dessus. François Labat, qui est le fondateur de la société, il naît dans le coin, à une quinzaine de kilomètres,
Et comme son père, son grand-père, son arrière-grand-père, qui s'appelle lui aussi François, il est d'abord sieur de Long, on voit l'image, puis agriculteur et enfin chaufournier. Il vient de la Creuse, parce que à cette époque, la Creuse était un pays assez pauvre et pendant l'hiver, les agriculteurs venaient scier des planches dans les Deux-Sèvres, par exemple, pour la construction de bateaux, etc. Donc, ce François Labat, eh bien, il achète ses fours à chaux là, à un monsieur Auguste Royer, qui a lui-même deux fours à chaux construits entre 1874, comme je l'ai dit, est toujours en activité, et il vend cette propriété à François Labat. Mais ça se passe pas très très bien, parce que François Labat vient de la Creuse, et l'habitude en Creuse, il y a beaucoup de protestants, alors que dans les Deux-Sèvres ou en Vendée, il y a beaucoup de catholiques. Or, les catholiques ne vendent pas facilement une propriété à des protestants. Donc, Monsieur Royer dit à François Labat, je vous vendrai ma propriété lorsque vous vous serez converti au catholicisme, vous et votre famille. Ce qui fut dit, fut fait. Il se convertit et il achète la propriété avec les 8 hectares. On voit ici les anciens fours à chaux. Alors, on remplissait par le haut, on ne le voit pas, bien sûr, ici, et on récupérait la chaux en bas, comme on peut le voir, et on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de visites lors des journées du patrimoine, par exemple. La naissance du projet, ça s'est fait en plusieurs étapes, en fait. D'abord, avant le projet, il y avait des groupes scolaires qui venaient régulièrement dans cette carrière parce que le patron acceptait de les recevoir avec leurs profs de SVT pour ramasser des fossiles et pour parler de stratigraphie, parce qu'on voit très bien les couches qui s'empilent les unes sur les autres. Il pouvait y avoir plus de 500, près de 1000 même, élèves à venir les bonnes années. Donc ça veut dire que il y avait un intérêt déjà pédagogique. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est un amateur donc qui ramassait des fossiles et qui avait envie d'en savoir plus. Et c'est lui qui a souhaité trouver quelqu'un pour faire une étude. Donc c'est l'intérêt scientifique cette fois-ci, on va dire de phase 1. À la question qui m'avait été posé, est-ce que c'est intéressant ou pas, est-ce que ça vaut le coup de faire une étude paléontologique, j'avais bien senti qu'ils attendaient tous que je dise oui, et justement j'ai dit oui. Et là, ça m'a rappelé une pensée de Maître Eckhart. Ah, vous voyez, là, on remonte très loin, on remonte au Moyen-Âge, c'est un théologien, philosophe allemand, qui dit une phrase. Et soudain, l'on sait qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau et de faire confiance à la magie du commencement. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Quand j'ai dit oui, ça vaut le coup, j'ai vu des grands sourires et alors oui, on allait commencer quelque chose de nouveau. Et ça m'a fait penser à cette phrase de Maître Eckhart. Ensuite, eh bien, on arrive à l'étape 3. Rassemblement des moyens, mise en place du projet d'étude avec l'assistance logistique fournie par l'entreprise et la création d'une association dévolue uniquement à ce projet. J'en suis le responsable et aussi président de l'association APFCN, Association paléontologique des fours à chaux de Nanteuil. Des assistants, bon. Comme vous voyez, je ne rentre pas dans le détail, vous verrez plus loin, un ouvrier qui vient nous aider. On a à disposition trois engins, une pelleteuse, un tractopelle et un brise-bloc. Et puis, le gîte et le couvert offert par le propriétaire pour des campagnes annuelles d'une semaine. Donc, si vous trouvez aussi bien ailleurs, dites-moi, c'est plutôt exceptionnel. Il était une fois une équipe pour un projet, on voit Jérôme, le patron de la carrière, son épouse, avec le chien, Béatrice, Maya, la fille, même, elle nous aide, comme vous pouvez le voir, même si
L'adéquation entre le marteau et le burin n'est pas optimisée, mais elle participe. On a Jean-Claude qui est l'ouvrier qui nous aide, moi-même, project manager, Jean-Pierre qui sait très bien faire les photos, qui est un amateur en paléontologie, mais il connaît bien les appareils photo, donc il fait de belles photos. Et puis on passe à l'étape 4, parce que on ne sait pas tout faire, donc on va se lancer dans une étude scientifique, mais en faisant intervenir des collaborateurs de notre choix. Donc l'idée, ça a été de faire intervenir des équipes internationales. L'idée, ça a été de publier, alors au niveau scientifique, mais aussi au niveau de la vulgarisation. Et puis, très rapidement, est arrivée l'idée d'installer sur le site une galerie paléontologique, on disait galerie, maintenant on dit musée, hein, soyons fous. L'idée étant de restituer les connaissances acquises, de les valoriser et de les pérenniser. Voilà quelques-uns de nos collaborateurs. On a Robert Chandler, qui est paléontologue, qui a travaillé au Muséum d'histoire naturelle de Londres. Donc, il connaît bien le Bajocien et même l'étage en dessous, qui est l'Aalénien. Michel Cugnon, qui lui est un amateur très éclairé, qui connaît très bien les brachiopodes et puis les microfossiles. On a Patrice Ferchaud, également amateur, mais qui travaille parfois avec l'Université de Poitiers. Damien Gendry, qui lui est responsable des collections à la fac de Rennes. Denis Bayot, qui intervient aussi dans des études paléontologiques dans le Finistère. Et puis Patrick Granger, qui lui a une thèse. Il avait fait une thèse sur la région il y a déjà un certain nombre d'années, pas vraiment de paléontologie, mais concernant la structure dont on va parler tout à l'heure. Ici, on a à droite Giulio Pavia, qui est prof de paléontologie à l'université de Turin, qui connaît bien le Bajocien. Donc, on a une équipe très élaborée là, et qui normalement doit être capable de faire avancer les choses sérieusement. Alors, bon, regardons quand même où on se trouve. Vous voyez le seuil du Poitou, qui est un promontoire qui sépare le bassin de Paris du bassin d'Aquitaine. Et entre les deux, il y a la partie vendéenne du massif armoricain qui se prolonge sous le seuil du Poitou pour rejoindre la partie limousine du massif central. Ça fait un seuil, tout ça, qui sépare les deux bassins et où se trouve la flèche, la petite étoile. Eh bien, ça monte, c'est la carrière, et on se situe donc sur le versant sud, donc dans le bassin d'Aquitaine. On voit ici le Bajocien, depuis le bas jusqu'en haut, moins 178 millions d'années en bas, moins 168 millions en haut, 14 mètres. Donc, en 14 mètres, il y a 2 millions d'années qui s'écoulent. Et vous voyez en bas des numéros, B3, B4, B5, B6. Ça, c'est le début des études. On commence par compter les bancs, les déterminer d'abord, puis les compter. Et le but du jeu sera ensuite de prélever banc par banc de façon parfaitement séparée pour isoler les fossiles avec l'idée de faire une coupe géologique, une zonation avec des zones, sous-zones, horizons, etc. Quand on prélève un banc, l'objectif c'est de casser ce banc, de le fragmenter jusqu'à en faire des apéricubes, c'est-à-dire que on regarde, y compris les plus petites choses, et tant qu'on n'a pas tout cassé en petits morceaux, on considère qu'on n'a pas terminé. Voilà. Alors quand on lance un projet, il faut faire un petit tour d'horizon sur la littérature. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que notre cher Alcide d'Orbigny, qui est notre paléontologue important du 19e siècle, il était venu ici vers 1851
C'est-à-dire, c'est pour ça que je parlais de la date 1874-76, une bonne vingtaine d'années avant les fours à chaux, les premiers fours à chaux. Donc il est venu là, c'était uniquement des affleurements qu'il a étudiés et il en a rapporté quelques indications dans son cours élémentaire de paléontologie en 1840-1852. Et là, on peut lire qu'il cite Mougon, qui se trouve à côté de la carrière, comme autre type du Bajocien français et signale comme gisement comparable d'autres carrières des environs de Niort et de Saint-Mexant. L'école, route de Paris. Route de Paris, on ne peut pas se tromper, ça peut être unique. Il n'y a, ça peut être que la fameuse carrière où nous allons faire l'étude. Il y a d'autres travaux. Bon, on va les passer, on va aller vers Patrick Granger qui a fait une thèse qui étudie la marche Nord-Aquitaine et Sud du Poitou pour faire de la stratigraphie séquentielle, l'évolution biosédimentaire paléogéographique. Et puis, dans son étude, eh bien, il inclut la carrière de la Grande Palée. Puis Pavia, les Italiens, font une étude vers 1997 concernant l'importance des données taphonomiques sur la biochronologie. Donc, cette carrière, elle n'est pas toute nue. Il y a eu déjà quelques études de fait qui prouvent l'intérêt de cette carrière. Mais, bien sûr, tout n'avait pas été étudié. On commence par le point 1. On est en bas du Bajocien et c'est là qu'on va démarrer les études. Le point 2. En bas du point 1, à la base, on s'aperçoit qu'il y a quelques ammonites qui font partie du sommet de la laine. Alors j'ai demandé à ce que l'on creuse un peu au niveau du point 2 pour voir jusqu'où allait cet alénien qui n'avait jamais été étudié. Et on m'a dit, oh ben tu iras pas bien loin, dans 30 centimètres, tu vas trouver de la diorite. Bon, pourquoi pas, on a creusé. Et au bout de 30 centimètres, on avait effectivement des roches noires, très dures. Mais curieusement, il y avait des fossiles à l'intérieur. Donc, c'était évidemment pas de la diorite, ni du granit, ni quoi que ce soit d'autre. C'était la suite du l'alénien, mais c'était très dur et peu intéressant à ce niveau, d'où l'idée de creuser vers le point 3 que vous voyez. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'alénien. On a creusé 1 mètre, toujours de l'alénien, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Et vers 4 mètres, on est arrivé vers des marges noires qui ont fait apparaître une ammonite qui s'appelle Pleydélia, peu importe le nom de l'espèce, c'était la preuve qu'on avait touché le sommet du Toarcien. Donc, on savait, à partir de là, que tout l'Alénien, peut-être des lacunes, mais était là. Donc, l'idée a été d'étudier également cet Alénien. Alors, il y a le point M, c'est pas le métro, c'est le musée. C'est là qu'on va construire le musée. Donc, qui est un petit peu au-dessus, et on pourra montrer les affleurements, les fronts de taille, comme vous le voyez. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, B3H, B4, B5, B6, etc. C'est le comptage des bancs. Et en bas, à droite, quelques ammonites qui ont été trouvées. Plus loin, on s'est amusé, dès le départ, à monter une grande table sur laquelle on allait disposer les ammonites en fonction des bancs pour faire une stratigraphie et aussi en les classant par famille. Donc évidemment, là c'est le tout début, l'idée étant de reconstruire l'histoire de la carrière en fonction des niveaux stratigraphiques et des familles. Mais bien sûr, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, on crève sous la canicule, mais parfois, eh ben, on se trempe, comme vous pouvez le voir ici. On installe directement dans la carrière des percuteurs pneumatiques pour commencer à préparer les choses. La fille que vous voyez, Maya, nous aide énormément, comme vous pouvez le constater.
Et puis toutes les zones que l'on étudie, on les protège. Et donc tout ce qui est d'intérêt devient interdit au public. Et puis ensuite, eh bien, on va travailler sur le point 3, je vous l'ai dit, et à la fin, sur le point 4 qui concerne le Bajocien supérieur. Et puis, comme je vous le disais, il y a une donnée totalement inattendue, c'est que l'alénien est présent depuis son sommet jusqu'à sa base. C'est totalement inédit. Et ce qui est encore plus inédit, c'est la présence d'une jonction thoracien-alénien très explicite, tant mythologiquement que paléontologiquement. C'est validé par la collecte de certaines damnées. Donc sur un coup comme ça, alors on voit ici les premières trouvailles en haut à gauche d'une ammonite qui semble intéressante. Il y a juste un tout petit trou, et puis ensuite on creuse et on apporte les engins, parce que tellement ça devient intéressant. On voit par exemple des Ludwigia, ce qui nous permet de savoir où on se trouve dans l'Alénien, Leiocera, là on sait qu'on est en bas. Et puis Pleydelia, en bas, on sait qu'on a touché le Thoarcien. On met en place carrément un barnum qui vient de l'armée, des engins, et on va commencer à faire une coupe en bonne et due forme. Comme vous le voyez, donc c'est le travail, tout se fait, on nettoie au karcher pour bien faire apparaître les bancs et les interbancs, qui sont aussi des bancs d'ailleurs. On nettoie au karcher et en bas, on aperçoit ces marnes noires qui correspondent au thoracien. Donc, à droite, on est très content d'avoir touché le thoracien. Et puis, on construit une coupe avec une zonation, comme vous le voyez, laboratoire d'indice, mur chisonné, bifidatum, etc., etc., avec les bancs et l'épaisseur des bancs. Et puis une idée de la lithologie. Voilà, et on voit ici le banc 19, qui est un banc extrêmement intéressant, puisque c'est le premier banc alénien, et qui va nous apporter énormément d'informations, plus que ce qu'on a pu trouver en France, d'ailleurs dans d'autres gisements, puisque le plus souvent, ces bancs sont extrêmement condensés, ce qui apporte des mélanges difficilement explicable. Évidemment, là aussi, bleu de temps en temps. Et puis quand on a terminé les études dans cet alénien, dans ce trou de 4 mètres, eh bien, il se remplit. On est donc obligé de le vider à chaque fois. Mais après l'effort, c'est le réconfort. Voilà, on est chez Jérôme le propriétaire. On est aussi parfois dans la poussière. Et puis les résultats, on les publie, par exemple ici à la PF de Troyes en 2021, à propos de cette fameuse jonction thoracien-alénienne. Et puis à la fin, eh bien, l'eau remonte et là, on a à peu près 4,50 m d'eau. Et heureusement, ce grand trou a formé donc une grande mare et à la joie des grenouilles qui sont venues s'installer ici, et qui sont maintenant nos gardiennes du temps. Là, on arrive en haut du Bajocien. Donc là encore, on commence par déterminer les bancs. On les compte, on les numérote. Il y a beaucoup de discussions. Est-ce que tu es sûr que le banc 32 s'arrête là? Ah non, est-ce que... Voilà. Et on finit par avoir une coupe, comme vous le voyez. Le travail que vous voyez, quelques ammonites. Là, eh bien, on a les quatre drapeaux, puisque il y a l'Europe, mais il y a aussi la France, l'Italie et l'Angleterre. Voilà, on a mis l'Angleterre à côté de l'Europe d'ailleurs. Là, c'est la fin des derniers paliers qu'on va étudier en haut du Bajocien. Ce sont les fouilles de septembre, on vient de les terminer. Donc, vous voyez la préparation du terrain. Là aussi, la préparation. Donc, c'est beaucoup de boulot avec la pelleteuse. Et puis ensuite, même chose, on fait les comptages. Là, c'est une blague. On a le patron de la carrière qui est déguisé en fantomas, sa femme qui est déguisée elle également,
Ils ont nettoyé, ils ont préparé le terrain. Alors, l'aspirateur, c'est un peu exagéré. Le plumeau, c'est aussi un peu exagéré. Mais c'est pour dire qu'on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Quelquefois, c'est. Alors là, on va les passer, mais sans s'arrêter. C'est pour vous montrer tout ce qu'on peut trouver. Sans regarder les noms, peu importe. Mais ça, c'est un gros boulot de préparation parce qu'on ne les trouve pas, évidemment, comme ça. Il y a beaucoup de travail de préparation. Il y en a qui sont irisés, on peut, vous avez vu, mais il n'y a pas que des ammonites. Alors, on a des déroulés, des pas déroulés, il y a aussi des gastéropodes, des bivalves, etc. Là, on a une coupe et on étudie également les microfossiles. Et je prends comme exemple de microfossiles, la première dent, ce sont des chondrichtiens ici. On a des dents de 500, l'échelle c'est 500 micromètres, un demi-millimètre. Donc, vous voyez, c'est tout petit, mais avec des moyens informatiques, on arrive à faire de magnifiques photos et aussi à déterminer les bestioles. Là encore, ce sont des actinoptérygiens, des poissons frais, cette fois-ci. On a aussi des brachiopodes qu'on peut installer sur la coupe, comme vous le voyez. Également des foraminifères. Donc, c'est beaucoup de travail aussi, parce que c'est tout petit, comme vous l'imaginez. Des bélemnites, comme vous le voyez là. Et puis, on a même des restes d'un sténosaurus avec trois vertèbres qui sont plus ou moins en place. Et puis, notre ami Eric Busteau nous a dit, parce que ça, j'en savais rien, que c'était un sténosaurus. Et donc, que c'était un crocodile marin qui vivait par des fonds de 20 mètres, 20, 25 mètres à peu près. Donc, c'était des hauts fonds. Et ça nous donne une idée aussi du paléo environnement. On trouve également des crustacés avec des pinces qui ressemblent un peu pas au crabe, mais aux langoustines ou aux homards. Alors le musée, pour finir, on a dit qu'on allait faire un musée. Là, la première idée a été de faire venir des containers de Marseille, des containers d'occasion, c'était pas trop cher, et on voulait les monter pour faire un musée. Mais on s'est vite rendu compte que c'était une mauvaise idée. Donc, on a changé l'idée et on a voulu installer une galerie, mais en dur cette fois-ci. Alors, cette galerie ou ce musée, il est inscrit dans le plan local d'urbanisme intercommunal. Ça a été validé. Le terrain a été reclassé de nomenclature carrière en nomenclature spécifique musée. Et le permis de construire, comme je le disais tout à l'heure, il a été déposé en mai 2023 pour 150 mètres carrés de musée pour commencer et a été accepté en 2023. Donc maintenant, la scénographie, en gros, c'est à peu près ça. On entre par un côté, évidemment. On raconte l'histoire de la carrière, la famille, les activités. Il y aura des matériaux, etc. Ensuite, on passe salle suivante, le projet, objectif, photo. Ensuite, la géologie de la carrière, avec paléogéographie, stratigraphie. Et puis les résultats, avec l'Aalénien, exposition de fossiles, du Toarcien, il y aura aussi, le Bajocien inférieur, le Bajocien supérieur, et enfin, la place de la carrière dans un contexte régional, national et international. Et là, on mettra des fossiles du Bajocien et de l'Aalénien venant d'autres carrières, parce qu'on n'a pas tout, et j'aurai tout ce qu'il me faut d'Angleterre, puisqu'on a un collègue qui peut nous avoir tout ce qu'on veut, on peut aller les chercher nous-mêmes d'ailleurs. On aura également des fossiles de sites importants en France, comme à Belmont par exemple, de Normandie, et donc tout ça fera un tout. Voilà. Donc, pour terminer, voici une petite idée du futur musée. Donc, on voit les pièces successives à une vitrine. Alors, le buzz, pour finir. Ah oui, on fait du buzz. C'est-à-dire, on alerte tout le monde, les médias, la presse, la télévision. On a fait venir FR3 l'an dernier. La presse, à chaque fois, on a des députés, des sénateurs, des inspecteurs d'académie, des maires, des élus, etc.
et on invite des gens pour qu'ils viennent le voir. Et en plus, on invite des associations d'amateurs que l'on choisit pour participer aux foules. Donc, il est clair qu'ils nous aident d'une certaine façon. Ils apprennent à travailler en professionnel. Ils savent qu'ils ne ramasseront rien pour eux, c'est pour les études. Et en général, ils sont très contents de participer. Voilà. Il y a des banques aussi qui viennent, et enfin une en tout cas, qui nous a alloué une coquette somme pour participer à la construction du musée, en cas de don concernant le patrimoine des Deux-Sèvres. Et on fait aussi des festivités. On a fait un feu d'artifice et un son et lumière pour les 90 ans de la carrière. Et on espère bien faire la même chose pour les 100 ans. Ça sera en 2026 avec un tiers de minute. Le feu d'artifice, c'était en 2016. Son et lumière sur la carrière, un tiers de mine. Et puis le buzz, eh ben, c'est, je fais quelques conférences, on invite des gens. Ici, on a une députée des Deux-Sèvres, Delphine Bateau, d'ailleurs. Ensuite, des petites conférences que l'on fait directement dans la carrière. D'autres députés, comme vous le voyez, là encore, bon, même chose. Et puis ça m'a permis d'ailleurs d'avoir un prix cette année, en plus de ce que je fais par ailleurs, le prix Saporta. Saporta, qui est décerné à un paléontologue non professionnel pour le travail qu'il a fait. Saporta, c'était un amateur qui a énormément travaillé sur des fossiles végétaux. Voilà. Et on a ici d'ailleurs Éric Buffetaut, qui a eu le prix Cuvier, moi-même le prix Saporta, et puis des étudiants qui sont en thèse ou en post-doctorat qui ont également eu des prix, c'était à Villers-sur-Mer cette année. Donc merci à vous.